Bonsoir, merci d'être venu. Donc, nous allons maintenant commencer le spectacle. Est-ce que tout le monde est installé? Oyez, oyez! Voilà, donc le spectacle se déroule en deux parties, où il n'y aura pas, d'ailleurs pas d'entracte, il y aura une petite surprise à la mi-temps, on va dire. Et donc, on va commencer donc, ce spectacle Délire d'amour. Délire d'amour, on va commencer par Anastasia. Anastasia, alors, qui est une jeune, très jeune demoiselle. Quel âge est-elle, Anastasia? 17 ans, ouais. Et très talentueuse. Donc, qui nous chantera? Eh bien, elle va nous chanter Starships, hein, voilà. Quelque chose qui bouge beaucoup. Voilà. Alors, je vous encourage à... Elle va mettre l'ambiance dès le départ. Tout à fait. Ensuite, il y aura Odile. Odile, qui va nous chanter une chanson qu'elle a... Une de ses chansons. Donc elle a, dont elle a fait Paroles et Musique. Paroles et Musique, voilà. Tout à fait. Vous avez le programme. Ah oui. Donc, je vous invite à lire... Vous avez tous le programme. Ceux qui ne l'ont pas peuvent le prendre. Moi, je crois... Voilà, vous avez une petite phrase qui résume chaque chanson et ça fait une petite histoire, en fait. Ensuite, il y a Véronique. Véronique qui va nous chanter une chanson du répertoire, presque, on peut dire. Hein. Ah oui, fais-moi mal, Johnny, vous allez voir, c'est assez rigolo. Ça décoiffe, voilà. Ilham, le charme. Oh, le charme. Viens m'embrasser, on a envie de lui dire, continue. Voilà, là on reconnaît bien Albert. Ensuite, Nathalie qui va nous chanter une chanson de Thomas Dutronc qui s'appelle Sésame, qui est magnifique. Je ne sais pas si vous la connaissez. Nathalie chante dans une chorale de gospel. Aussi, voilà. Très bien, elle fait aussi des spectacles. Ensuite, nous aurons notre charmeuse iranienne, ah oui, Leila, qui nous chantera une chanson iranienne. Beaucoup de charisme quand elle chante. Exactement, énormément. Une très jolie voix. Et Augustin. Notre Augustin. Augustin, c'est le porte-bonheur. La mascotte. Non, le porte-bonheur. Le porte-bonheur, c'est vrai que c'est un garçon formidable qui écrit des chansons, paroles et musique. Je suis à chaque fois époustouflé quand il m'apporte sa nouvelle chanson. Oui, exactement. Donc là, ce sera une chanson qu'il aura. Il a composé cette année. Voilà, qui a écrit et composé, qui parlera de... Alors, Nelly va nous charmer avec une chanson de Bruel. Ah oui. Nelly est une, fan de chansons, fan de chants. C'est une passionnée. C'est une passionnée. Une passionnée. Voilà. Et une fidèle du cours aussi, on peut dire. Voilà. Donc, ensuite, on va terminer cette première partie avec Benjamin Legrand, qui va chanter deux chansons, une inconnue... inconnue parce que c'est moi qui l'ai faite. Voilà. elle est un support. Et une chanson très connue qui a fait le tour du monde qui s'appelle Oh la belle vie, chantée par Distel. Et puis après, à l'issue de cette première partie, nous ferons une petite surprise. Les élèves vont venir chanter une chanson ou faire un hommage à quelqu'un sur scène. Voilà. Et la deuxième partie, nous vous la présenterons tout à l'heure. Eh bien, place alors, à la musique, bien sûr, place à nos artistes. Il n'y a pas d'entracte. L'entracte sera sur place. Ok, pendant l'entracte, si on peut dire, je vous présenterai la deuxième partie. Nous vous présenterons la deuxième partie. Voilà. Voilà. Donc, place à la musique. Et à Anastasia. Have a drink, but like me, come back. The patron, it's coming as on. The song, it's coming as on. Is it two, three? We don't play, not about it, give me to shake. I'm on the go, I love to dance. I can't eat more, and here I am. And on the go, I can see you a chance. If you want more, then here I am. Is that ships? Touch the sky, can't stop, cause we're so high. Let's do this one more time. It's that shape for men to fly. Hands up and touch the sky, can't stop, cause we're so high. Let's
That, am I in a way to smile and fall? That, what fuck you want, the fuck you like? That's all I like to stop in the sight. Faut se dire plus souvent
t'aime. Ce mot d'amour, ce mot d'espoir. Il faut dire plus souvent qu'on s'aime, sans plus attendre qu'il soit trop tard. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit c'est dans la poche, ce mignon là c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié vas-y mon loup, fais-moi mal. Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal. Johnny, 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 j'aime l'amour qui fait boum. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres, bien en courant. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit arrête ton chat. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule de mise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait.
Quel est le sésame de ton âme? La douceur. D'où vient la peur qui te retient? En vain, te désarme. Est-ce que tu crois au fond de toi? Au bonheur. Je voudrais devenir le vent. Qui sait, je t'ai là. Quel est le sésame de ton âme? Le rêve qui t'enflamme. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Allongé près d'une rivière, dans l'air, Toscane. Je voudrais être le soleil qui veille sur tes charmes. Quel est le sésame de ton âme? Le rêve qui t'enflamme. Je t'offrirai tous les cadeaux, des bagues, des fleurs, ma libido. D'une fleur qui se fane dans l'éternité d'un baiser, d'un cœur qui se damne. Je veux trouver dans ce dédale la clé de ton âme. Est-ce que tu vois au fond de moi le bonheur? Quel est le sésame de ton âme? Le rêve qui t'enflamme. مهربونی اومدی تو از دم
Jamais ce que l'on doit en main.
Lequel de toi, lequel de moi aura l'envie de tout laisser, de tout quitter comme si il y avait toujours mieux ailleurs, un autre monde meilleur, une autre vie où tu ne seras pas aussi. Mais lequel de toi, lequel de moi aura l'audace de voir en l'autre tout le contraire d'une menace? Jusqu'à te foutre en l'air. Tu pourras dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est fou. On pêche jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Tu pourras dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est tout. Ce qui reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Lequel de toi, lequel de moi dira je t'aime, sans rien en échange, rien qui dérange comme un beau. D'amour dans les orages de toute une nuit à deux, un mot qui change les sauvages en amoureux. Tu pourras dire ce que tu veux sur tout ce qui nous éloigne. Tu sais très bien qu'à ce jeu, jamais personne ne gagne. Cette histoire, aucun de nous deux ne pourra l'effacer. Ce qui est au fond de nos yeux ne pourrira. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir mon cher Albert. Ah, salut. Comment il va comment ça va mon ami? Je passais par là. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Tu vas chanter. Bah, je vais faire un petit quelque chose alors. Voilà, j'ai eu le plaisir d'enregistrer une chanson d'Albert il y a quelque temps, qui fait partie de mon dernier single. Voilà, c'est notre petit tube à nous, Albert. Hein, c'est notre petit tube. C'est un tout petit tube. Tout petit tube. Voilà, il s'intitule « Il aimait le jazz ». Ça commence comme ça, quelque chose comme ça. Il aimait le jazz, c'était
amateurs de jazz lui enviaient. Il aimait le jazz, était fou de jazz. Il avait le jazz dans sa tête, son sang. Il connaissait tout sur les musiciens. Il savait tout sur tous les jazzmen. Albert Assayag, auteur-compositeur. Oui, tu peux être un grand, si tu te lèves, tu es un grand auteur. Voilà, 1m72, pas mal déjà. Alors, vous savez, une fois par an, j'ai le plaisir d'être un élève d'Albert. Je suis un de tes élèves ce soir, une fois par an. C'est une fois par an, j'ai un passage obligé, je suis une soirée un élève d'Albert. Voilà. Alors, on a eu envie avec Albert, on répétait l'autre jour, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire comme deuxième chanson. Et puis tout d'un coup, on a eu envie de faire un petit hommage à notre ami Sacha Distel, que nous avons bien connu l'un et l'autre. Ouais. Et il a fait cette chanson internationale qui s'intitule La belle vie, que vous connaissez tous. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et l'on s'aime. On s'amuse à passer avec tous ses copains. Des nuits blanches se penche sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est triste et l'on traîne. Just wake up, kiss that good life.
maintenant, je peux... je peux annoncer qu'il y a une surprise. Ah ben oui. Il y a une surprise. Ben oui, voilà. Bien sûr. Comme vous avez dit Albert tout à l'heure. Donc on va demander à Nelly de revenir pour nous parler de cette surprise, justement. Ma chère Nelly. Alors, c'est une surprise. Ça n'était pas prévu au programme. Nous ne l'avons que très peu répété, mais nous ne pouvions pas chanter ce soir sans faire un vibrant hommage à un grand monsieur qui a été aussi bien grand poète que grand musicien, qui a bercé notre jeunesse, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait chanter, qui nous a fait rêver. Et quelqu'un est dans la salle qui lui est très proche. Et vous allez chanter avec nous. C'est pour toi, le troubadour. Avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et tes cheveux aux quatre vents, avec tes yeux tout délavés qui te donnent l'air de rêver, toi qui ne rêves plus souvent, avec tes mains de maraudeurs, de musiciens et de vendeurs qui ont pillé dans nos jardins, avec ta bouche qui a vu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec nous, avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ta peau qui s'est toitée au soleil de tous les étés et tout ce qui porte. Terminée, donc eh bien on va entamer en la deuxième. En tracte sur place, en tracte sur place, pour vous présenter la deuxième partie. Voilà. Il y a moins de monde dans la deuxième partie, mais chaque personne va chanter deux chansons. Voilà. Donc. Alors écoutez, fin prévue, fin du spectacle prévu pour 2h du matin. Ça vous va? Ça vous va? Oui. Mais à une condition, chaque personne qui est là chante une chanson. Donc, Albert, on va entendre l'or. On va écouter l'or. L'or. C'est marqué trop tard. On ne peut pas l'écouter, c'est marqué trop tard. Trop tard. Alors, trop tard, c'est une chanson. C'est un texte. C'est le titre de la chanson. Voilà, c'est une chanson dont tu as écrit la musique. Oui, oui. Composé la sur musique. Sur un poème qui a 200 ans. Mais le poème qui est d'actualité. Qui est de Marceline Desbordes-Valmore. Il y a 200 ans. Et moi, j'ai fait la musique parce que je l'ai connue, cette dame.
Il y a 200 ans. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Bah oui. Bien, tu les fais pas. Hein, je n'ai plus d'âge. Oui, c'est vrai. Je n'ai plus d'âge. Tu les fais pas. Voilà. Alors, j'ai fait la musique sur 100 poèmes. Et Laure l'interprète d'une manière... Exceptionnelle. Et ah, peut-être dire que tu as fait une très très jolie... tu as composé une très très jolie musique pour sa tessiture. Je sais pas, ce sont les autres qui peuvent le dire, pas moi. Pour sa tessiture. Moi, je sais pas. Donc ensuite, elle chantera aussi « Il voulait visiter Paris ». Toi, tu peux parler de Christophe. Qui est une chanson qui a été écrite et composée par Christophe Andréani. Il est dans la salle. Qui est dans la salle. Voilà, il est là pour l'applaudir. Voilà, qui était un élève. C'était un des élèves. C'était un, oui, c'était un des voilà. élèves. Voilà, et maintenant il écrit des chansons et il donne des cours dans un atelier d'écriture. Et ensuite c'est Ursula. C'était Ursula. Ce n'est pas marqué sur votre petit programme, mais Ursula va chanter et va jouer du violon. Voilà, sur une chanson qu'elle a composée. Au milieu de sa chanson qu'elle a composée par les musiques, elle va jouer un petit morceau de violon. Voilà. Et bon, mais de toute façon, elle chante d'abord Samuel. Parce que là, c'est interverti, les titres ont été intervertis. Donc elle va d'abord chanter Somewhere de West Side Story, et après, elle va chanter À qui la faute. Voilà, vous avez les petits commentaires sur vos petits papiers. Voilà. Voilà. Ensuite, il y aura Tina. Tina. Tina, qui a fait son premier album. Voilà. Qui vient de sortir. Ouais, qui est en train de sortir. Qui est en train de sortir. Voilà, son premier album, et elle nous offre deux de ses titres. Voilà, et elle se met au piano, hein. Bien sûr, elle est une très grande pianiste, elle compose, elle écrit les paroles, c'est une très grande artiste, elle va se mettre au piano et ensuite elle chantera une autre chanson. Ensuite il y a... Lenaka. Je te laisse présenter. Lenaka. Quelqu'un connaît Lenaka ici? Oui. Moi j'étais fan, je suis fan. On ne la voit pas assez. Lenaka fut mon élève et je suis fier qu'elle ait été mon élève. Par la suite, elle a fait des disques, c'est elle qui a été la créatrice de tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine, version féminine. Ensuite, elle a fait un parcours terrible, elle a chanté avec de grands artistes, elle a même fait une chanson pour Johnny Hallyday. Et elle a chanté avec Umberto Tozzi, hein, la chanson Tiamo, elle a chanté avec lui en duo, elle faisait la partie française et lui faisait la partie italienne, bien sûr. Très grande artiste qui maintenant, enfin, qui avait un album encore, hein, mais elle partage son savoir. Ah oui, oui. Hein, oui ça, oui, c'est important quand même. Parce qu'elle elle a été piquée par le virus de la transmission. C'est bien. Et elle est devenue enseignante, elle est devenue professeure de chant. Et elle est l'élève qui a battu le maître, qui a dépassé le maître. Voilà. Et puis en plus, c'est une fille super. C'est une femme super. Voilà, elle va jouer, elle va s'accompagner au piano. Ensuite, nous aurons Kirill. Alors, Kirill, c'est le crooner, comment on peut dire? Moi, je suis tombée raide tout à l'heure aux répétitions. Oh, non, mais c'est pas un crooner, c'est une voix. C'est une voix. C'est une voix, c'est The Voice. C'est The Voice, voilà. C'est exactement. The Voice. Voilà. C'est The Voice donc, du cours. Qui nous interprétera Derrière l'amour? De... chanson de Hallyday. Hallyday, et avec le temps d'une manière très, avec sa manière très personnelle, avec le temps de Léo Ferré. Voilà, on va pas en dire plus sur lui, vous allez l'écouter, vous allez être, je pense, ravis. Voilà. Voilà, donc la deuxième partie commence. C'est commencé. Avec Laure. Sa voix cruelle et qui m'était si chère a dit ces mots qui m'atteignaient tout bas. Vous qui savez aimer, ne m'aimez pas. Ne m'aimez pas si vous êtes sensible. Jamais sur moi n'a plané le bonheur. Je suis bizarre et peut-être inflexible. L'amour veut trop, l'amour veut tout un cœur. Je hais ses pleurs, sa grâce ou sa colère. C'est faire jamais. N'entraveront mes pas. Il parle ainsi. Celui qui m'a su plaire qu'un peu plus tôt. N'a-t-elle dit
froid de lueur, vaine étincelle, échappée à la cendre, mon sort qui brille, égarerez vos pas, il parle ainsi, lui que j'ai cru si tendre, a pour forcer ma raison à l'entendre. Un peu plus vite, en souvenir de ses visites, qu'il menait amour battant avec la fougue d'un enfant. J'espère qu'il se souvient de moi et qu'il a ralenti son pas. Moi je rêve d'une autre rencontre avec la même heure à nos mondes. On se retrouvera par hasard, bord de Seine ou autre part. Il revient parfois le hasard. Il revient parfois le hasard. Yeah.
to show you that you might have been there all many miles away, all deeper in my heart you will stay. Tell me your feelings if you want to. La porte était battante et mon cœur.
creuser mon trou. Intouchable, je me croyais vivante, j'ai tout appris de nous. Mais à partir d'hier, l'ombre et lumière. Quand tu pars, je t'invente quelque part, impatiente. Quand tu pars, je suis de nulle part habitante. Je t'ai tout dit de mes descentes et de mes amours indécentes. Tu sais tout. Des saisons dilettantes et de mes tournées déroutantes, je t'invente en dérive et contre toute attente, j'ai tout appris de nous qu'on peut vivre jusqu'à suivante et sans devenir fou. Sur la table, tu as misé du temps et j'ai tout appris de nous. Mais à partir de là, l'ombre s'en va. Quand tu pars, je t'invente quelque part, impatiente. Quand tu pars, je suis de nulle part habitante. Je t'ai tout dit de mes descentes et de mes amours indécentes. Tu sais tout. Quand je pars, je t'invente quelque part à m'attendre. Quand je pars au gré des saisons dilettantes et de mes tournées déroutantes, je t'invente. Que je pleure, je neige ou je vente, je t'invente. La deuxième chanson n'est pas une chanson de moi, mais une chanson que j'aurais bien aimé composer et écrire. Tout l'écrit les SOS de Monsieur Daniel Balavoine. Ah. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air. Pour te dire que je me sens seule, je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse
et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me soulève avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des liens de noeuds et de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. J'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y'a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau.